Et les gars, c'est Né la suite, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept mode sur ma chaîne. Le premier, c'était une sorte d'ouverture de pack version roue de la fortune, donc c'était un petit peu revisité. Donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est sur ma chaîne et c'est sorti il y a quelques jours. Aujourd'hui, ce serait une sorte de mode carrière mon joueur, un petit peu revisité, donc je m'explique. En fait, on commencerait donc vraiment dans la rue avec une sorte d'équipe freestyle, etc. Voilà, vraiment, vraiment du FIFA Street comme on l'aime, comme sur la PS2, comme sur la PSP, etc. Voilà, moi FIFA Street, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup, beaucoup joué. Donc, j'aimerais vraiment le voir retourner en fait tout simplement sur FIFA ou même un nouveau FIFA Street. Mais voilà, c'est clair que si c'était sur FIFA et ce serait un petit mode carrière comme ça, ce serait vraiment sympa. Moi, j'aimerais beaucoup. Donc, on débuterait notre route en jouant dans la rue et on travaillerait dur pour finir notre carrière dans les plus grands stades européens et du coup dans les plus grandes équipes. Et en gros, ce serait voilà un mode mon joueur, on commence vraiment au plus bas, puisque comment commencer plus bas que dans la rue, voilà. Et ensuite, on essaierait de faire des tournois, etc. Et je vais vous montrer en fait une petite animation que j'ai créée. En fait, c'est plutôt en fait le menu voilà, de FIFA 16 et du mode mon joueur FIFA Street. Et voilà, donc c'est un menu que j'ai quand même galéré à faire, voilà, même si c'est pas parfait, etc. J'ai quand même essayé de faire de mon mieux. Donc j'ai vraiment taffé sur Photoshop pour le faire. Et donc voilà, ça représente un petit peu le mode, le menu du mode mon joueur, voilà, carrière. Donc on aurait accès quand même à des réseaux sociaux, donc on pourrait voir par exemple des petites vidéos YouTube, on pourrait voir aussi des actualités sur Twitter, etc. Vous le voyez à l'écran, donc voilà, j'ai essayé de faire de petits trucs qui changent avec les réseaux sociaux et la presse locale, voilà. Donc on aurait aussi accès à la presse, bien sûr des choses en rapport avec le foot freestyle, en rapport avec le foot de rue, etc. Donc je pense que c'est vraiment vraiment très intéressant. Ensuite on aurait des matchs, donc on aurait un mode en ligne et un mode hors ligne. Donc le mode en ligne ce serait en fait jouer avec notre équipe. Donc voilà, on aurait une équipe vraiment pas avec des joueurs. Par exemple dans notre équipe il n'y aurait pas Vincent Kompany, Lionel Messi, etc. Ce serait une équipe que de joueurs créés on va dire. Donc le mode en ligne on jouerait donc contre des autres équipes en ligne, voilà, des autres équipes pardon, qui eux ont aussi sont sur le mode, qui eux aussi ont créé leurs joueurs, qui eux aussi essayent d'aller dans des grands clubs, etc. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Ensuite on pourrait simuler les matchs, mais ce serait seulement sur le mode hors ligne. Donc par exemple quand on n'a pas un tournoi en ligne, etc. Donc voilà. Donc ensuite on pourrait s'inscrire à des tournois, des qualifications, etc. pour des grands tournois, et c'est là par exemple qu'il y aurait des recruteurs qui pourraient en gros nous voir et pour nous recruter dans leur équipe, etc. Et au final on finirait comme dans une carrière normale dans une équipe assez grande. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'une carrière mon joueur comme FIFA le fait d'habitude, où on peut choisir l'équipe, on peut même se mettre au Barça en premier, alors que voilà, c'est un peu bizarre, un joueur qui commence au Barça directement sa carrière. Il n'y a que un certain Lionel Messi qui peut faire ça, voilà. Sincèrement, voilà, c'est un peu bête. Et je trouve que voilà, l'idée du FIFA Street, vraiment commencer dans la rue et finir dans un grand stade et dans un grand club, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez intéressant. Je suis assez content quand même de mon animation du menu de FIFA 16, etc. C'est pas parfait, mais voilà, je le redis, j'ai quand même pas mal travaillé dessus. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et dites-moi en commentaire aussi vos idées pour le prochain épisode du Concept Mode. Salut tout le monde!